Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Steelbook de Halloween Ends, donc la version Fnac, exclue Fnac. Alors, c'est un Steelbook qu'on m'a prêté pour faire cette unboxing. Parce que je vous ai présenté il y a quelques semaines ce Steelbook de Halloween Ends version orange qui était dispo chez Amazon. Bon, je pense qu'il doit encore l'être. C'est une version allemande. Il existe également la version UK qui dispose de cette version orange. En France, on a uniquement droit à cette version bleue, donc chez la Fnac. Donc ce que je vais faire, on va regarder celui-là déjà, on va regarder les spécificités, on va le déballer. Et on va comparer avec cette version orange, que ce soit au niveau du steelbook ou au niveau également du contenu, des langues, etc. et des bonus. Alors, ce steelbook de Halloween Ends, donc vous pouvez vous procurer à la Fnac, enfin je dis vous pouvez, je sais même pas s'il est encore disponible. Donc il dispose de la version 4K Ultra HD et du Blu-ray, parce que je crois que sur la version orange, il n'y a que le 4K. Autrement, dans les autres enseignes, vous avez le droit uniquement à un marais 4K et Blu-ray, mais pas de steelbook. Alors, au niveau des langues, donc on va regarder ça. Donc sur la version 4K Ultra HD, on a le droit à de l'anglais et de l'allemand en Dolby Atmos, et du français, espagnol, italien en Dolby Digital Plus 7.1. Sur la version Blu-ray, c'est de l'allemand et de l'anglais en Dolby Atmos, et du français, italien en Dolby Digital Plus 7.1. Donc c'est la même chose au niveau des langues sur la version 4K et la version Blu-ray. Il y a pas mal de sous-titres. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, tous les sous-titres là ici sont indiqués. Et au niveau des bonus, donc il y a des scènes longues et scènes coupées qui sont inclus. Et puis après, voilà, il y a les coulisses du tournage, il y a pas mal de reportages. Alors, on va regarder par rapport à la version Amazon que j'avais achetée. Alors, quand on regarde, si c'est le flyer qui était sur la version Amazon, hein, de toute façon, c'est écrit en allemand. Au niveau du contenu, donc il n'y a que la version 4K Ultra HD, comme vous le disiez, hein, il n'y a pas de Blu-ray. Donc ça, c'est vraiment la différence, vous avez 4K uniquement. Par contre, au niveau des langues, vous aviez de l'allemand et de l'anglais en Dolby Atmos, donc c'est la même chose. Donc, je suppose que le disque 4K qui est présent sur les éditions anglaises et allemandes est le même que sur la version française. Et au niveau des bonus, bah, vous pouvez regarder, hein, c'est la même chose. Donc même contenu, d'ailleurs ils ont remis les mêmes photos, il y a le texte qui a été traduit. Voilà. Donc c'est la même chose sur la version allemande ou anglaise et la version française au niveau du 4K. Hein, parce que je vous rappelle qu'ici sur la version allemande que j'avais acheté sur Amazon, il n'y a pas de Blu-ray. Alors on va déballer ce steelbook et puis on va regarder ce que ça donne au niveau présentation. Donc voilà, c'est déballé. Donc je vais enlever le flyer. Ça c'est des flyers qui sont mis en place avec un petit morceau de scotch, donc ça je trouve ça très bien, on n'a pas tous les points de colle qui abîment les steelbooks. Alors, ce steelbook de Halloween Ends, donc il est de finition mate, contrairement à l'autre, bon l'autre on le regardera juste après, comme ça on pourra comparer, mais il est de finition mate, il y a des effets brillants au niveau du couteau, et de la petite éclaboussure ici. Par contre, même le titre et la tête de Michael Myers, rien de particulier. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de celui-ci. Moi, je suis pas fan du tout de cette version bleue. Je préfère largement la version orange. Mais bon, on mettra les deux côte à côte juste après. Comme ça, vous me pourrez me dire lequel vous préférez. Donc voilà pour la face avant qui possède uniquement le titre. Donc ça, c'est plutôt simpliste et c'est très bien. Sur la tranche, vous avez le titre Halloween Ends avec le petit logo Universal. Et au dos, donc on retrouve Laurie Strode, donc incarné par Jamie Lee Curtis. Donc toujours une finition mate, rien de particulier, il n'est pas abîmé, donc tout va bien. Avec le petit logo Miramax, Blumhouse, enfin voilà, tout plein de petits logos Universal ici en bas à gauche. À l'intérieur, donc là, la particularité, c'est qu'on a droit à deux disques. On a ici la version 4K Ultra HD, et donc là, la version Blu-ray. Au niveau sérigraphie, c'est la même chose, on a juste la petite distinction 4K Ultra HD et Blu-ray en bas du disque. Et voilà pour l'intérieur du steelbook. On retrouve Laurie Strode en plein combat avec Michael Myers. Et voilà le steelbook à plat. Voilà, que je trouve très moyen. Hein. Mais ce côté bleu, voilà, j'adhère pas du tout. Alors ce qu'on va faire, je vais le poser là. Et puis on va comparer avec la version orange que je vous avais déjà présentée en vidéo.
Alors, le steelbook de droite, donc c'est pas du tout le même visuel, hein, donc là on a vraiment quelque chose de différent. Vous pouvez me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Alors au niveau finition, ici on avait du glossy sur la version donc allemande-anglaise, contrairement donc au français qui est mat. Sur la tranche, c'est la même chose. On a l'indication Halloween Ends. Au dos, donc ils ont remis Laurie Strode, mais dans une position complètement différente. Donc ici, elle est présentée de dos avec le couteau, et là, donc deux profils. Et à l'intérieur, donc je vais pas enlever le disque. Hein, ici, vous voyez qu'il n'y a que la version 4K HD, mais à l'intérieur, c'est le même visuel. Hein. Voilà, c'est la même chose. Hein, ils ont pu utiliser le même visuel à l'intérieur. Ça me fait penser un peu au steelbook de Top Gun Maverick, hein, où c'était à peu près les mêmes visuels. Alors c'était pareil au dos et à l'intérieur sur Top Gun Maverick. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Halloween Ends. Hein, donc le bleu qui est juste là, hein, l'autre, vous le connaissez déjà, je vous l'avais présenté. Donc dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous préférez, est-ce que vous avez commandé ce steelbook? Et qu'est-ce que vous avez pensé du film? Alors le film, moi je l'ai vu, hein, parce que quand j'avais présenté le steelbook orange, j'avais pas vu le film, donc je l'ai vu depuis et je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Alors c'est clair que ça ressemble pas du tout à Halloween, enfin en tout cas moins, parce que forcément Michael Myers c'est moins présent. On a un peu deux histoires parallèles qui finissent par se rejoindre à un moment donné. Il y a un côté un peu surnaturel dans ce volet-là, mais je l'ai pas détesté et je m'attendais vraiment à quelque chose de tellement pire étant donné le massacre qui était fait au niveau des critiques sur ce film. Donc dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et puis on va se retrouver très prochainement pour d'autres présentations, unboxing, live. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.